Tu sais que je te défends d'éclairer. Claire, ne discute pas. J'ai fouillé la maison. Il n'y a rien. Tu croyais que je ne l'aurais pas remarqué? J'ai envie de te confisquer ta paire de lunettes. Et tu ne pourras plus lire, jamais. Jamais, tu entends? C'est tout ce que tu mérites. Remerciements. Alors que je te soigne, que je veille sur toi, je fais tout ici pour toi. Je sais où il habite. Il m'a laissé sa carte. Je devrais brûler cette maison avec toi au milieu. Alors tu pensais que je le verrais pas. Je les rapporte avant une heure. Parce que je sais exactement où elles sont. Mystérieux Jason King. Dommage pour Tante Claire. Scénario, Harry Junkin. Réalisation, Jeremy Summers. L'espace et le firmament nous accueillent. Jason? Laisse-moi parler. Offrant à notre vue la légèreté éthérée du ciel, oui, qu'y a-t-il? Je voulais te remercier d'avoir bien voulu faire ça pour tante Edna. Tout ce que j'accepte pour ta tante, ça commence à devenir impensable. Oh, ne dis pas ça, Jason. Tu es ravi au fond d'être ici. La question n'est pas là. J'aurais dû partir à Paris hier soir. Oh, j'essaie d'oublier Paris. Tiens, ça va sûrement te dérider. Ce n'est pas du 28 ans d'âge. Nous l'avons fini la nuit dernière. Oh,
C'est une merveilleuse expérience. Oh, moi, je me sens devenir... Ah, presque tout te fait devenir... Pam. Le ski d'hiver à Cortina d'Ampezzo, le ski nautique à Antibes, et même le tournoi de bridge de Juan les Pins. Oh, tu exagères. Mais non, c'est la vérité. Il faudrait que je trouve comment te faire oublier que tu te sens... Et comment te rendre plus... Jason, nous avons perdu de l'altitude. Ah oui. Il y a sûrement encore du lest. Oui, je crois. Nous allons monter dans le ciel aussi rapidement et aussi haut qu'une fusée. Il n'y a plus rien? Si, un sac plein encore. Pamela, mais tu es folle! N'importe qui pourrait recevoir le sac. Si au moins c'était ta tante. Nous descendons encore. Il n'y a plus rien à acheter, Jason. Combien pèses-tu, Pam? Oh, presque... Nous chercherons comment atterrir plus tard. Bonjour, Geoffrey. Marie. Eh bien, tu vois, je l'ai apporté. Mais entre, voyons. Merci. Tu veux une tasse de thé ou n'importe quoi à boire? Non, non, merci. Mais entre, voyons, et assieds-toi, minute. Tu m'as impressionné une fois déjà avec ta maison, ça devrait suffire. Je dois te dire que tu es très agressif. Je sais. C'est peut-être parce que je me sens écrasé par tout ça. Bob a eu beaucoup de chance. Je m'en doute. Et que fait-il pour réussir? Je crois avoir lu quelque part qu'il allait essayer d'entrer au Parlement. Oui. C'est sûrement un homme très occupé. Bien entendu. Écoute, nous allons boire quelque chose. Un sherry, en souvenir de... De notre passé? Oui, s'il te plaît. Entendu. Je dois te dire que je ne pense presque jamais au passé. À ta réussite? J'en ai tellement besoin. Oh, ce n'est pas ce que je voulais te dire. Et maintenant, si tu veux me faire un chèque pour l'aspirateur? Mais tu ne vas pas repartir aussi vite, je t'en prie. Je veux seulement le chèque et ensuite m'en aller. En espérant que tu seras satisfaite de ton aspirateur ultra moderne, modèle 2. Ça ne te dérange pas que je te paye en liquide? Non, rien ne me dérange, sauf de rester ici une seconde de plus. Bien, alors attends-moi. Ah!
Quand je lis ça, je suis heureux pour la journée. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Une critique du nouveau livre de Bozet. Bozet qui? Bozet Rutherford. Elle est bonne? Divine. Elle le massacre littéralement. Il ne s'en relèvera pas. À quoi doit-on s'attendre quand on a le malheur d'être un de tes ennemis? Un ennemi? Je l'adore. J'ai apporté du thé chaud. Excuse-moi une minute, tu veux? Jason, donne-moi une seule raison valable de repartir à Paris aussi vite. Je te rappelle que c'est là que j'habite. Non, j'ai dit une raison valable. J'ai une publicité très bien payée à faire demain. Pour quel produit? Moi, je ne sais pas bien quoi. Après 5 jours, tu en as assez de moi. Ça fait 5 jours? J'ai pu tenir aussi longtemps. Je te hais, te déteste et te plains surtout. C'est original. Il faut toujours que tu ne penses qu'à toi-même. Il fallait dire que j'étais l'homme le plus intelligent, le plus intéressant, le plus amusant que tu aies connu. Modeste, surtout. Je n'ai aucune raison de me montrer modeste. C'est vrai. C'était magnifique. Merci pour ton hospitalité. Et le reste. S'il te plaît, reste un jour encore. Non. Tu m'as promis de dîner avec Robert et Marie. La nuit dernière, je t'ai promis tout ce que tu voulais, mais à la lumière du jour, je refuse de céder à tous tes caprices. Petit, petit. Mais Marie est charmante et Robert est un homme merveilleux qui va entrer au Parlement. Impossible. Mais ça va être terriblement embarrassant. Ah, ça oui. Ce matin, j'ai averti Marie qu'on viendrait pour dîner en lui parlant de toi. Alors tu vois, attends encore avant de partir. Je sais, c'est très embarrassant pour toi, mais pas pour moi. Jason, j'ai promis. Ah, tu as promis. Ils seront si déçus si j'arrive sans toi. Non, non, non. Jason fait bien l'homme le plus égoïste, vaniteux, imbu de sa personne, pompeux que je connaisse. Geoffrey! Geoffrey! Ça y est. Je te l'avais bien dit que je le trouverais. C'est pourtant là qu'elle devrait être. Tante Claire, je t'avertis que ça va mal finir. Vous avez mal? Oui. Oui, quand on y touche. Écoutez, je vais vous donner des cachets à prendre. Et vous irez vous allonger. Entendu. Très bien. Ça ira? Oui, merci. Aucune marque de coup, ni d'écorchure. J'enverrai le rapport. Je pourrai l'avoir demain. Merci, docteur. Je vous en prie. Au revoir, inspecteur. Merci. Vous êtes en état de répondre, Madame Trevor? Le docteur a dit à ma femme d'aller s'allonger, inspecteur. Non, ce n'est pas la peine, ça ira. Vous avez dit que vous êtes allé chercher votre porte-monnaie qui se trouvait dans la cuisine et qu'on vous a assommé. Oui, c'est exact. Vous avez vu votre agresseur? Non, il devait être dans mon dos. Vous n'avez pas eu de sensation quelconque, de taille, de couleur? Non. Alors, parlons de Geoffrey Winters. Nous savons qu'il était représentant en appareil électroménager depuis peu et qu'il était venu dans la semaine. C'est exact, c'était mercredi. Qu'y a-t-il, Monsieur Trevor? Rien du tout. Alors vous n'étiez pas au courant? Non, je ne lui avais rien dit.
Et pourquoi donc, Madame Trevor? Mais parce que ce n'était pas important. Ah. Alors vous prétendez que vous achetez un aspirateur d'un prix aussi élevé sans demander à votre mari? Mais elle a toute l'attitude. Continuez, Madame Trevor. Il est venu sonner à la porte mercredi dernier, et ensuite? Eh bien, nous avons été aussi surpris, lui que moi, de nous revoir si soudainement. Nous nous sommes très bien connus quand nous étions étudiants. Il avait l'air embarrassé. Embarrassé? Pourquoi? Oh, parce que... parce qu'il avait été très brillant, le premier de l'école. C'était un athlète. Il était très intelligent, il avait tout, et tout le monde croyait qu'il aurait un merveilleux avenir. Continuez. Alors ensuite, je lui ai ouvert la porte pour le faire entrer. Il apportait le nouvel aspirateur et que je lui ai bien sûr acheté. Vous avez pourtant déjà un aspirateur, je crois. Oui. Où est-il? Ne vous fatiguez pas, il fonctionne parfaitement, il est très récent. Et vous en avez acheté un autre? Oui. Je voulais essayer de l'aider. C'est tout ce que vous vouliez? Mais sergent, voyons. Oui, donc il devait vous apporter l'aspirateur commandé l'autre jour. Oui, c'est bien ça. Mais il ne l'a pas livré. Oh, mais si, bien entendu. Où est-il? Il l'a posé dans l'entrée, sur la table. Vous l'avez rangé quelque part? Non. Non, je ne l'ai pas touché. Il se trouvait dans une boîte en carton, il l'a ouverte et... et... oh, mais alors, attendez, cet homme qui... il a sûrement emporté. Vous dites qu'on pourrait commettre un crime pour voler un aspirateur. Quand vous avez acheté cet aspirateur mercredi dernier, vous avez effectué un premier versement? Non, nous nous connaissions bien. Et en d'autres mots, il vous faisait confiance. Oui. Vous aviez été très lié avec lui? Robert, je crois qu'il vaut mieux tout leur dire. Oui, tu as raison. Ne dire quoi, Madame Trevor? Quand j'avais 18 ans, Geoffrey Winters était mon mari. Je suis inquiète pour elle. J'espère que ça va s'arranger. Jason nous aurait été bien utile. Quelle idée d'aller à Paris. Il n'aurait rien pu faire. Vous connaissez mal Jason King. Mais si je peux être utile, n'hésitez surtout pas, voulez-vous? Bien sûr. Merci. Bonne nuit. Bonsoir, Pam. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher, Marie? Je ne pourrai pas dormir. Tu n'as qu'à prendre tes pilules. Oh, oh, quelle horrible histoire. Je ne réalise pas encore pourquoi ça m'est arrivé à moi. Pourtant, ça t'est arrivé. Est-ce que tu penses que ça va te créer des difficultés en ce qui concerne ton élection? Ça ne va pas consolider mes chances, si c'est ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas de notre faute à nous. Pourquoi est-ce que nous devrions en être punis? Oh, j'en ai assez de cette affaire. Tu n'es pas la seule. Oh, je t'en prie, Robert, dis-le, tu en meurs d'envie depuis ce matin. Alors, explique-toi. Allez, ça continue. Quand ton ancien mari réapparaît soudainement après 17 ans, il semblerait normal que tu m'en parles. Oui, je le sais. Pourquoi l'as-tu caché? Je te l'aurais probablement appris si tu m'écoutais un peu de temps en temps. Et finalement, on peut seulement dire que j'ai acheté un aspirateur et que je ne t'ai pas consulté avant. Oui, c'est ça. Souriez. Attention. Ah. Bon. Un peu de conviction, Monsieur King. Un peu de conviction. Si ça en valait la peine. Mettez la main sur une boîte. Vous y tenez. Ah oui, bien sûr, Monsieur King, pour le produit. Terrible! Ne bougeons plus. Allez-y, goûtez-le. Non, non, ayez l'air enchanté. Mais ça a le goût de yaourt tourné. Oh, mais le yaourt tourné est excellent pour la santé, vous savez. Et ça sent comme dans les couloirs du métro aux heures d'affluence. Respectez le produit, au moins. Vous avez fini, Alain? Encore une. Allez, goûtez-le encore. Voilà, ça y est. Merci, Monsieur King, de nous apporter votre aide.
Il ne nous reste qu'à espérer que notre campagne publicitaire amènera notre produit dans toutes les cuisines d'Europe. Ah, quelle horrible pensée. Votre image nous le fera vendre. Après tout, dans cette histoire, notre rôle est bien de nous aider à répandre le produit dans le public. S'il faut être honnête, comparé à votre produit, la fiente d'oiseau semblerait un délice inappréciable. Vous avez accepté notre offre? J'ai seulement accepté parce que c'était très bien payé. Jason King, l'un des auteurs actuels les plus en vogue en Angleterre, l'illustre créateur de Mark Kane, prend du Vitaligor tous les matins. Allons donc. Continuez. Ce n'est qu'un projet de texte. Montrez-moi ça. Il garde sa parfaite forme physique actuelle parce que Vitavigor contient des vitamines B. B1, B2, B4, B9, sans oublier la biotite. Mais qu'est-ce que c'est? C'est extrait de la mûre, Monsieur King. Du latinol et de la vermicine, qui améliorent de beaucoup la vue dans l'obscurité. Qui améliore la vue dans l'obscurité? Oui. C'est ridicule. Votre argent vous sera remboursé. Qu'est-ce qui vous prend? Votre appareil, je vous prie. Ne lui donnez pas, Alain. Alain, si vous ne me donnez pas cet appareil dans 2 secondes, je vous crève l'œil gauche à coups d'ouvre-boîte. Vous êtes dans la publicité depuis beaucoup trop longtemps. Je me demande pourquoi on vous fait travailler. Enlevez ces ordures de ma cuisine. Je vous rappelle que vous avez donné votre parole. J'avais donné ma parole que pour 30 000 dollars, je supporterais n'importe quoi. Je n'y avais pas inclus du poison. Entendu, Monsieur King, 35 000 dollars. Non, merci, mademoiselle, je suis désolé, mais c'est hors de question. Eh bien, depuis quand est-ce que vous avez de tels scrupules? Depuis que je vous ai parlé. Oh, Monsieur King, un peu de patience, allons. Vous savez très bien comment c'est dans la publicité. Vous en connaissez tous les côtés. Oui, vous en avez fait un univers où on agite une carotte en plastique sous les yeux des ânes qui s'y laissent prendre. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'irai m'adresser à Bossy Rutherford, dont le livre vient de sortir. Très bonne idée. S'il survit à la critique de son livre, il sera acheté par votre produit. Voilà, ça fera toujours moins d'impôts à payer. Qu'est-ce que vous pensez de Mary Trevor? Rien du tout. Elle ne m'impressionne pas du tout et je me moque bien que son mari entre au Parlement. J'ai cru que ça allait fausser vos conclusions. Non, ça jamais. Vous avez l'air... enthousiaste. À vrai dire, je la crois presque, sauf pour un petit détail. Oui, je sais, c'est le point à éclaircir. Où est passé cet aspirateur? Et pendant votre carrière dans la police, vous avez déjà entendu parler d'un homme tuant quelqu'un pour lui voler un aspirateur? Jamais. Moi non plus. Mais je reste neutre. Pour l'immédiat. Allez travailler un peu. Oui, j'ai malheureusement appris cette horrible nouvelle ce matin. C'est terrible, cette violence aujourd'hui. Pauvre monsieur Winters, il était si poli. Et qu'avez-vous en dire? Je m'en pardon. Winters avait certainement ses petits défauts, tout le monde en a. Voyons. Oui. Il est mort et c'est difficile de dire du mal de ce pauvre homme. Oui, bien sûr, mais allez-y, il n'entend rien. Eh bien, il était plutôt du genre mauvais payeur. Oh, vous voulez parler de son loyer? En particulier, bien sûr. Il était en retard? De 3 semaines. Il devait de l'argent à d'autres personnes? Ça, je peux pas vous dire. Mais au prix où est la vie aujourd'hui, je suppose que tout le monde doit de l'argent à quelqu'un. Non, pas moi. Il gardait ses aspirateurs chez lui? Oui. Combien? 3, 4 et même des fois 6. Ça dépendait de ce qu'il vendait, je suppose. Il les apportait directement du bureau. Est-ce que Winters vous parlait de ses amis qu'il voyait, de ses ennemis, de ce qu'il faisait dans la... Non, mais je sais qu'il détestait Monsieur Horner. Qui? Qui est Monsieur Horner? Son patron, le responsable des ventes d'aspirateurs. C'est absolument terrible pour notre image, terrible. Moins que pour Winters. Je ne parle pas de ça, bien sûr. Nos vendeurs sont soigneusement sélectionnés. Ils projettent une image de propreté et évitent d'être mêlés de près ou de loin à un scandale. J'ai peur que ce soit raté. C'est une histoire très grave. Winters avait 5 aspirateurs de côté, les 4 de sa chambre et celui qui manque, c'est ça? Voyons, c'est exact. C'est un chiffre normal? Oui, tout à fait normal. Ensuite, il doit ou les payer ou les rendre. Monsieur Horner, supposons que je sois vendeur chez vous. Que se passe-t-il quand je sonne à une porte?
Votre premier objectif est de vous glisser à l'intérieur et de montrer que vous comprenez les soucis des ménagères. Vous faites sentir à la maîtresse de maison que vous voulez l'aider dans sa guerre contre la poussière. Bon, très bien. Alors j'entre chez elle, je lui fais une démonstration et malgré tout ce que je lui raconte, ça rate et elle dit encore non. J'insiste. Vous changez la façon d'attaquer le problème. Continuez. Vous montrez à la maîtresse de maison qu'elle s'y prend mal dans sa manière de mener son ménage et vous lui faites honte. Alors je la rends morte de honte, mais elle dit encore non. Qu'est-ce que je fais? Après plusieurs refus de sa part, vous vous retirez. Ah oui, et alors je reviens ici. Et vous m'en rendez compte. Et alors? Des publicités écrites lui sont expédiées le jour suivant. Si elle achète un aspirateur aussi? Oui, bien entendu. Si elle vous a acheté un appareil, vous la complimentez sur son judicieux jugement. J'aimerais voir le rapport que Winters a ramené de chez Mme Robert Trevor la semaine dernière. Oui, je pensais bien que vous le demanderiez. Ben alors donnez-le-moi. C'est impossible. Pourquoi? Il n'en a pas fait du tout. Allons donc. Non, et c'est ça qui me navre. Ça paraît évident, vous ne croyez pas. Mais quoi? Il s'est produit presque sûrement un tour de passe-passe. Mme Trevor dit que Winters lui a fait une démonstration. Mais il n'y a aucun rapport. Il doit bien arriver qu'un vendeur oublie de vous envoyer un rapport. Jamais, non. Je suis plutôt sévère à ce sujet. Et s'il fait une démonstration de ses capacités individuelles? Mais vous êtes vulgaire. Ça crée du tort à notre image de marque. Monsieur Horner, avant que votre image s'améliore, il coulera de l'eau sous les ponts. Sergent, je n'ai aucune idée à propos de ce fameux rapport en question. Il a fait une démonstration alors que je n'y tenais pas. Je me trouvais là où Lady Redfield est assise et je le regardais faire. Et j'en étais gênée pour lui. Un homme comme Geoffrey en être réduit à... Si vous n'écoutez pas, je ne vois pas l'intérêt de continuer. Madame Trevor, je voudrais examiner votre rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres? Le même que vous aviez ce jour-là. Pourquoi? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Sergent, Madame Trevor a demandé pourquoi. Oui, j'ai entendu. Alors, vous allez me chercher, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tout cela veut dire, sergent? J'essaie tout simplement de tirer cette affaire au clair. Satisfaite? Merci, Madame Trevor. Mais pourquoi faites-vous ça? Que vient faire mon rouge à lèvres ici? Vous ne devinez pas? Merci pour votre coopération, Madame Trevor. Je vous laisse tranquille. Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Oh, mais c'est simple. Il doit croire que j'ai tué Geoffrey. Oh, ça n'a aucun sens. Non, c'est vrai. Mais non, personne n'a suggéré un seul instant que... Non, et personne non plus n'a dit que j'étais innocente. Robert et moi, nous voulions aller passer quelques jours à l'étranger pour oublier un peu tout ça, et la police l'a interdit. Ils n'ont pas voulu vous laisser partir? On nous a signifié de ne pas essayer de quitter Londres parce qu'ils croient très possible que j'ai tué Geoffrey en me servant d'un couteau. En tout cas, c'est bien ce qu'ils pensent, même s'ils ne le disent pas. De toute manière, et je ne sais toujours pas comment réussir, je vais faire revenir Jason demain pour nous aider. Ça m'a suffi d'une fois, je ne veux plus me remarier. Non, je n'ai aucune intention de me marier. Et en aucun cas avec Lady Redfield. Il y a longtemps que vous connaissez Lady Redfield. J'ai peur que ça ne vous regarde pas. Quand avez-vous fait votre demande? Est-ce qu'il est toujours aussi idiot? Où aura lieu la cérémonie, monsieur? Ici ou à Londres? De quoi parle-t-il? Mais Lady Redfield a dit que vous alliez... Lady Redfield vous a dit n'importe quoi. Elle peut bien arriver dans n'importe quelle église, mais elle ne m'y rencontrera pas. Mais monsieur, tous les journaux anglais ne parlent plus que de ce fait divers mondain. Vous devriez pourtant savoir ça. Les journaux inventent toutes sortes de faits divers que personne ne croit. Alors pourquoi vous rendez-vous à Londres, monsieur? Mais je ne vais pas à Londres. Vous savez parfaitement que les avions sont pleins à craquer. Excusez-moi. Ah, vous êtes placé sur la liste d'attente, pourtant. Est-ce que Lady Redfield sera habillée en blanc? Non, mais elle va porter du noir si vous continuez ces ridicules questions. Est-ce que vous espérez fonder une grande famille? Prêt? Ah! J'ai très bien travaillé. J'écoute. Le mariage de Winters, à part. Ils ont bien été mariés, il y a presque 20 ans. Winters avait 25 ans et Mme Trevor, 18. Ça n'a pas duré bien longtemps. Ah, pourquoi? Les parents de la fille s'y opposaient. Ils sont arrivés juste après, ils l'ont emmené en France avec eux et ensuite, le mariage a été annulé. Et que dit le rapport du laboratoire? Winters avait des marques prononcées du même rouge sur les joues et sur la bouche. J'en étais certain. Et à part ça? Winters était un gros joueur. Oh! Il n'avait plus un sou en banque, devait plusieurs semaines de loyer et une somme importante à un patron de cercle de jeu. Supposons qu'il ait eu un autre motif. Lequel?
Peut-être que c'était un coureur de jupons. Il faut avoir de nombreuses occasions avec les millions de ménagères qui s'ennuient. Supposons qu'un mari veuille se venger. Supposons qu'il ait suivi Winters. Supposons qu'il soit entré dans la maison. Oui. Supposons qu'il ait vu Winters batifoler avec Madame Trevor. Ça a pu le mettre hors de lui et il s'est dit à lui-même, « Ah, je vais lui donner une bonne leçon. » Et alors, ce cocu aurait emporté avec lui pour se venger l'aspirateur appartenant à Winters. Allons, oubliez ça. Et voilà. C'est impeccable. J'aimerais le garder, mais c'est trop risqué. Il pourrait le retrouver. J'ai entré dans sa chambre. Il y en avait trois de plus. Ils étaient tous vides. Tu sais ce que ça veut dire, dis-moi? Ça veut dire qu'elles sont au fond d'une poubelle, au milieu des ordures. Tante Claire, si tu me remettais l'argent, je te laisserais aller dans une maison de repos. Ça serait le mieux pour toi, tu sais, tu vivrais avec des gens de ton âge. Vas-y, réponds-moi. Je sais bien qu'il y a des milliers de billets dans cette maison. Oh, mais si tu en as, je le sais, et ne crois pas que ma patience va durer longtemps. Je ne vais pas rester là tranquillement, à attendre que tu meurs, tu entends? Oublions un peu cet homme que personne n'a vu entrer, et disons qu'il s'agit bien de Mary Trevor. Beaucoup de points l'accusent. Oui, il y avait ses empreintes sur l'arme du crime. Le couteau lui appartenait, elle l'utilisait tous les jours. Winters avait des traces de sang rouge sur la bouche. Il n'y a aucun doute. Cette absence de tout rapport, alors que c'était un point exigé par ses employeurs, vous savez pourquoi. Il n'y a jamais eu aucune démonstration ni de vente, d'aucune sorte. Rien de tout cela n'a existé. Entendu. Je vous écoute. On a beaucoup parlé de Robert Trevor ces derniers temps. Le Parlement semble lui être destiné à brève échéance. Winters l'apprend. C'est ça. Et Winters a des têtes et il flaire à bon coup. Alors, il se présente chez les Trevor, avec ou sans aspirateur. Mary Trevor est alors ravie de le revoir. Elle le fait entrer chez elle. Trevor s'occupe de ses affaires toute la journée et de politique toute la nuit. Elle s'ennuie, elle est toujours seule. Bien entendu, Winters ne fera pas de rapport de sa démonstration. Pas pour ce genre de démonstration. Elle est très riche et très cultivée. Madame Trevor lui suggère de refaire une démonstration et Winters se représente l'autre mercredi. Et il change d'attitude. Il lui fait des menaces. Il révélera tout à Trevor à moins qu'elle paye. Alors elle se rend à la cuisine où se trouve l'argent et elle revient avec une arme à la main. Humiliée et folle de rage. Et ça ne va pas du tout. Écoutez, en l'absence du fameux aspirateur, Madame Trevor se retrouvera vite sur le banc des accusés devant le tribunal. Première chose, envoie un démenti à la presse tout de suite. Rassure-toi, Jason, je l'ai fait sans ton avis. Quoi? T'épouser? Passer 21 repas par semaine avec Jason King est un supplice autrement cruel que tous les supplices chinois. Tu n'aimerais pas ça? Si c'est une proposition déguisée, Jason, je crois que tu perds ton temps. Une proposition? Je voulais que tu reviennes de Paris très vite, et alors j'ai imaginé ça. Pourquoi? Il faut que tu m'aides. À quoi? Marie va arriver, alors pour une fois dans ta vie, installe-toi bien, ne dis plus rien et attends. J'y vais. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que votre femme est là, monsieur Trevor? Ah, non, pas pour l'instant. Vous savez où elle est? Elle est allée courir les boutiques de couture. Elle ne sera pas longue. Pouvons-nous l'attendre? Oui, bien sûr. Bien. Le sergent est revenu hier matin. Il a posé plusieurs questions et ensuite il a demandé à examiner mon rouge à lèvres. Et je lui ai donné, bien sûr. Oh, pour quelle raison la police demande ça, Jason? C'est évident. Ça n'a rien d'évident à mes yeux. Je pense qu'ils ont trouvé des marques de votre rouge sur Winters. Oh, non, il n'y a aucune chance. Jason, je connais Marie depuis assez longtemps maintenant, et je t'assure que si... Pam,
Je pars du principe que tout ce que dit Marie est vrai. Merci. Vous êtes la seule personne qui m'ait dit ça. Premièrement, il n'existe pas de rapport de la démonstration. C'est très facile à expliquer. Bonjour. Alors explique-le-nous. Marie était une amie et Geoffrey ne voulait pas la bombarder avec sa littérature spécialisée. Deuxièmement, pas de premier versement, pour la même raison. Troisièmement, il n'y a aucun reçu, parce que on l'a tué avant qu'il ait eu le temps d'en remplir un. Ça semble sans espoir. N'en croyez rien. C'est l'aspirateur manquant, l'essentiel. Comment est-ce que tu vas le chercher? Je vais me procurer la liste des endroits visités par Winters la semaine dernière. J'irai voir tout le monde. Je pense que ça nous donnera la solution. Non, Monsieur King, je vous répète que la réponse est non. Je vous conseille de la reconsidérer. La police m'a déjà posé des questions et mène son enquête comme elle l'entend. Sans obtenir aucun résultat. Je ne peux pas vous donner la liste des visites effectuées par Winters. Je tiens à éviter toute mauvaise publicité. C'est terrible pour notre image de marque. Nos vendeurs ont imposé une réputation et une conduite impeccable depuis des années. J'ai peur que ça change. Je vous demande pardon? Je suis à la recherche d'un aspirateur modèle 6 et vous allez m'aider à le trouver. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Pourquoi? Parce que, Monsieur Horner, je suis toujours passé pour un expert en publicité. J'ai l'intention de faire du porte-à-porte en me faisant passer pour un de vos vendeurs. Et quand j'aurai réussi à pénétrer au cœur de la forteresse des ménagères, digne de ce nom, je parle du salon, bien sûr, je leur parlerai en termes tellement obscènes avec l'aide de votre aspirateur que même un régiment de la Légion étrangère en rougirait. Monsieur King, vous plaisantez? Oui, Monsieur Horner, je plaisante. Et si votre réputation est encore excellente, une fois ma tournée terminée, vos vendeurs seront interdits jusque dans les toilettes pour hommes de tous les endroits publics. Ils resteront à la porte des maisons. Aucun de vos voisins n'a aperçu ce mystérieux visiteur. Et aucun voisin n'a vu Geoffrey Winters arriver avec un aspirateur. Personne n'est en mesure de confirmer votre histoire. Ce qui veut dire que notre enquête est terminée. Est-ce que vous osez sérieusement prétendre que ma femme... Madame Trevor, j'ai un mandat d'arrêt pour le meurtre de Geoffrey Winters. Travaillait comme une abeille, je dois lui reconnaître ce mérite. 30 visites rien que dans cette rue. Je te laisse le côté droit et je garde le gauche. Je n'ai pas tellement l'habitude, Jason. Que faudra-t-il dire? Oh, ce n'est pourtant pas très compliqué. Dis-leur que tu remplaces Winters. Essaie de savoir s'il ne s'est rien passé, ce qu'ils ont dit et ce que Winters a dit. Alors... Il se passer. Elle comparaîtra dès demain pour les préliminaires de l'instruction. Et elle restera détenue jusqu'au moment de son procès. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous irez en prison. Toujours rien? Non. Et toi? Non, rien du tout. Ah, ça m'a étonné. Oh, quoi? Le potentiel de clients qu'offre la vente à domicile. Les ménagères sont étonnamment accueillantes et réceptives quand elles reniflent une bonne affaire. Et fais attention. Bon
Bonjour, est-ce que la maîtresse de maison est là? Je m'excuse de venir vous importuner, mais j'effectue une enquête à propos d'un de nos représentants, un aspirateur qui est venu vous rendre visite la semaine dernière. Non, pas ici, ça m'étonnerait. Oh, il y a votre nom dans son rapport, mais... Andrew Bishop. Il n'est venu personne. C'est curieux, il n'a commis aucune erreur en ce qui concerne ses autres visites, et c'est bien votre adresse. Non, il s'est trompé, je suis occupé, alors... Je n'en crois rien. Vous mentez, mais au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que, de toute façon, je le saurai en m'adressant à votre voisinage. Attendez une minute. C'est parfaitement simple. Oui, je m'en souviens, il a fait une démonstration ici. J'ai appris par la radio que ce pauvre type s'est fait assassiner, c'est bien lui? Oui. C'est ma tante qui est à côté. Elle est très malade et très vieille. Oh. Je ne voulais pas qu'on la dérange, alors c'est pour ça que j'ai dit des histoires. Rassurez-vous, Andrew. Je me conduis bien avec les vieilles dames. Entendu. Venez. Tante Claire, c'est un monsieur de la même compagnie que le monsieur de l'autre semaine. Il voudrait te poser quelques questions. Ma tante est restée muette à la suite d'une grosse émotion. Elle répond par oui en abaissant la tête et par non en la secouant. Pendant toute l'entrevue, il se tenait derrière elle. J'ai eu l'impression que, si elle n'avait pas répondu dans le sens qu'il lui avait indiqué, il l'aurait étranglée. Et je sentais qu'elle essayait de me faire comprendre quelque chose. À propos de Winters? Quoi? À propos du garçon, surtout. Quoi donc? Je n'en sais rien. Je l'ai trouvé très tendu. Comme s'il avait une certaine tendance à être psychopathe. Il faut en être un pour en reconnaître un autre. Deux aspirateurs. Je n'y comprends rien. Il manque deux aspirateurs. Tu n'as rien d'autre à déclarer. Ah si, mon génie. Jason King. Vous avez appris que votre locataire préféré avait été poignardé et vous vous êtes senti poignardé vous aussi. Qu'est-ce que vous insinuez avec cette histoire de vieil aspirateur? C'est comme vous voudrez. Vous aviez une bonne raison. Il devait 3 semaines de loyer. Où est-ce que vous voulez en venir? Dites-moi. Bon, il vous fallait essayer de récupérer cet argent. Vous n'avez pas osé voler un appareil neuf parce que vous saviez très bien que la compagnie en connaissait le nombre exact. Et vous avez pris celui qui sert aux démonstrations. J'ai seulement pris ce qu'il me devait, rien de plus. Où est-il? La police? Désolé, c'est un faux numéro. Oui, c'est vrai. Je suis un génie. Arrêtez de pleurnicher, chère madame. Je vous le rapporterai. Ce n'est pas votre aspirateur qui m'intéresse, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et merci. Je sors, t'as besoin de rien? Thank you.
Un message pour Andrew? Je t'ai rapporté les bagues, Andrew. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Il y a longtemps que tu attends qu'elle meure, Andrew? Tu l'obliges à prendre des somnifères, tu attends son argent. Le pauvre Jeffrey Winters n'a pas eu de chance le jour où il est venu vous voir avec son aspirateur. Mais oui, Andrew, c'est bien celui-là. Tu lui as permis de vous faire une démonstration, et pendant que tu ne regardais pas, Tante Claire a jeté ses bagues sur le tapis, et l'appareil les a aspirées. Elle espérait ainsi attirer l'attention sur elle. La démonstration terminée, tu as décidé que l'aspirateur coûtait trop cher et tu as renvoyé Winters. Seulement, tu laissais partir les bagues. J'ai raison, n'est-ce pas? Tu n'as pas osé aller à la compagnie pour laquelle travaillait Geoffrey. Tu avais peur que si Tante Claire devait aller identifier les bagues, on découvre que tu persécutais une vieille femme. Tu étais malade à l'idée que ces bagues allaient sans doute finir dans une poubelle. Arrête-moi si je me trompe. Alors tu as surveillé Winters. Tu l'as vu sortir de sa chambre en portant un aspirateur et tu as cru qu'il s'agissait de celui-là, mais tu te trompais. Tu n'avais pas pensé qu'à la fin de sa journée, Winters avait monté l'aspirateur de démonstration chez lui. Quand il est ressorti, il avait bien un aspirateur à la main. Tu n'as pas réfléchi. Tu as cru que c'était toujours le modèle utilisé pour les démonstrations et que les bagues de Tante Claire étaient toujours dedans. Alors tu l'as suivi. Tu l'as vu entrer chez Madame Trevor. Je ne sais pas très bien comment tu t'es introduit dans la maison, sans doute par une fenêtre. Et tu as attendu pour voir ce qui se passait. Mais là, à ta grande surprise, il s'agissait d'une vente et non d'une autre démonstration. Et cette vente voulait dire adieu à l'aspirateur et adieu aux bagues. Et quand Madame Trevor est allée prendre son porte-monnaie, tu l'as assommée. Et quand Winter s'est dressé devant toi, tu lui as enfoncé le couteau que tu tenais dans le dos. Est-ce que j'ai raison, Andy? Oui, vous avez raison. Oui. Alors tu as pris le rouge à lèvres de Marie Trevor et tu en as mis sur la bouche de Winters. Tout s'est mal passé. C'est de la faute de cet imbécile. Aidez-moi, vous m'entendez? Aidez-moi. On va essayer de te soigner, de t'aider, Andrew. Si tu fais un effort, on t'aidera. Laissez-moi vous avertir, Madame Bishop, il est insupportable. N'écoutez pas cette vipère, Claire. C'est le dépit qui parle. Elle est jalouse. Elle sait que les jolies femmes me trouvent irrésistible. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?